Hey, Inger. Yeah. I got ça. Encore années 70. Is that what it's meant to be? Not really. No, it's... I can't hear it. Oh, that's a shame. Yeah. Oh my god, they're hysterical. Now, what about these ones? Inside or outside? Inside. Louise? Yes? When you are ready, I've got Artie getting dressed. Do you want to look at the right type? Are you driving an Uber? Yeah, he is an Uber driver. And shit. Like, he told me if he did it, like, if he does it, bon, je reviens du tournage que j'ai été appelé pour un tournage à midi. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous pouvez être là dans 15 minutes pour un truc dans les années 70, donc c'était des grandes barres. Normalement, il fallait que je garde la moustache et tout, mais une fois en arrivant, ils m'ont dit qu'elle était trop courte, ils m'ont tout rasé, bref, c'était un peu, enfin voilà. Je vais te parler d'un truc aujourd'hui, tu sais, quand on est jeune et qu'on trouve un boulot pour la première fois, même pour souvent pour les fois suivantes d'ailleurs, juste quand on est jeune quoi, 18, 19, 20 ans. Ce qui nous arrive souvent, c'est d'être un peu utilisé par les gens plus vieux, tu vois. D'abord, on nous demande des petits services, genre ouais, est-ce que tu peux faire ça, ou est-ce que tu peux rester un peu plus longtemps, ou des trucs comme ça. Et puis petit à petit, les gens, ils se rendent compte que bah, vu que t'es gentil et que tu connais pas trop le monde du travail, tu dis d'accord, ouais, tu veux juste arranger quoi, tu penses que tu fais bien et tout, mais au fur et à mesure, tu te rends compte qu'on t'utilise un peu. Et ça, c'est un problème qu'on a, que j'ai eu pendant très très longtemps et dont je me suis rendu compte juste là en Australie en fait, c'est que les gens, tant que tu leur dis pas non, ils vont continuer à t'utiliser un peu, tu vois, ils vont vraiment profiter de toi parce qu'il y a une différence entre la gentillesse et entre, pas l'esclavage, mais la naïveté, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment où t'es gentil, mais tu peux pas non plus sacrifier ta vie pour les autres. T'es d'accord avec ça ou pas? Do you agree for this? Ce qui nous est arrivé la dernière fois, c'est que, enfin même plusieurs fois d'ailleurs, on finissait un job et le patron nous demandait de rester un petit peu pour plier des boîtes ou des trucs comme ça, tu vois. Et là récemment, je reçois ma paye, on est payé tous les mercredis et je me rends compte qu'il manque des heures à chaque fois, tu vois. Et je me remets dans la peau de mon ancien moi à 19, 18 ans, tu vois, quand je recevais ma paye, je me disais bon, ben, j'ai déjà reçu de l'argent, je vais pas réclamer en plus des trucs. Mais ce que me disait Jérôme, c'est que non, attends, t'as travaillé, et même si c'est pour une demi-heure ou un quart d'heure, mais merde, tu les as gagnés, tu vois, l'argent, c'est l'argent, et voilà, il faut le faire. Donc c'est vrai qu'on peut avoir honte, en fait, ou on peut être timide à réclamer quelque chose qui nous est dû, parce qu'à partir du moment où on réclame, on a l'impression qu'on est un emmerdeur, tu vois, vis-à-vis de l'employeur et tout, mais c'est pas vrai. Et les gens vont nous utiliser et nous utilisent pour ça, donc... Il faut être conscient de ça, c'est important, je pense. Donc voilà, des fois, il faut pas hésiter à dire non, merde, j'ai travaillé, ou alors non, je suis désolé, je suis pas dispo, quoi. J'ai besoin de temps libre, j'ai besoin de mes journées off, j'ai besoin de repos, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Moi, je me suis rasé, du coup, là, c'est chiant. J'avais fait pousser, j'avais entretenu ma petite moustache pendant 2 semaines et ils m'ont demandé de la raser, c'est salaud, mais bon. Ça en valait la peine. Tiens, tu veux rigoler? Voici la photo de moi sur le tournage aujourd'hui. Je ressemblais vraiment à rien. 3, 2, 1. Ah, débarras. Allez. Moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Ciao.